Où as-tu mis Tony ? Salle d'interrogatoire, numéro 1. Il n'arrête pas de pleurer après le lieutenant Hamilton, chef de la BSI. Et moi alors, il pense que je suis qui ? C'est dingue ? Peut-être un sous-fifre. En tout cas, Hamilton a fait sur lui une grande impression. Oh, c'est un équipier comme ça qu'il me faudrait. Et tu connais pas la meilleure ? Il ne veut pas admettre que la brigade est ici. Il affirme que la vraie BSI est ailleurs et que les locaux sont nickel. Ouais, c'est pas nickel cet endroit ? Oh, chouïe ! Oh, mon petit poussinet ! Oh, ma petite puce, mais t'es venue avec tout ce qu'il faut. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois ? 45 minutes, et pas une de plus. Servez-vous. Moi, je préfère le jaune. Et utilisez-le. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Faudra pas gâcher une seconde. Ouch. J'ai vraiment du pot de réveiller nos blocs. S'il m'avait laissé dehors, je serais chez ma mère qui adore me questionner sur ma vie intime. En sachant parfaitement que j'ai horreur d'en parler. Elle m'aurait demandé si j'ai un ami et je lui aurais dit sèchement « Tu crois que j'ai que ça à faire, maman ?» Je bosse pratiquement tous les week-ends. Quand je suis libre, je me rue sur mon lit pour dormir. Et en plus, si un homme me plaît, il n'y a pas à tortiller. C'est soit un flic, soit un criminel. Ils sont aussi nuls les uns que les autres. Faites-moi confiance. Je suis là ! Bon sang, je vais pas passer ma vie ici. Les imbéciles, si je ne bosse pas, je vais me prendre une volée. Ils font exprès de m'oublier. Il y a quelqu'un qui n'est pas sourdingue ! Faites-moi sortir de ce trou ! Tu peux me dire ce que ça signifie ? Je ne peux pas parler maintenant. Qu'est-ce que tu fous là ? T'es débile ou quoi ? Merci d'avoir appelé. C'est gentil. Allô ? On ne peut pas te laisser seul 2 minutes sans que tu en profites. Merci, d'accord, pour une lecture samedi prochain, c'est parfait pour moi. Tu oses parler d'amour romantique, tu oses t'introduire chez cette femme sous une identité d'emprunt. Tu n'es qu'un voleur, qu'un menteur qui étourdit de belles paroles sa future victime. L'amour n'est pas une vaste tricherie, l'amour est profond, l'amour c'est la confiance, l'amour est la rédemption de l'homme. Merci, je vous suis très reconnaissant. À la réception, c'est parfait. Passe-moi cette fille, je sortirai cette pauvre victime de tes griffes. Merci encore. Tu restes tranquille ou je la bute. Tu crois que tu vas t'en sortir ? Recule, je t'ai dit, j'ai rien à perdre. Je te signale que ce bureau est rempli de flics super entraînés, face de rat. Et en plus, on a tous une bonne mémoire. Alors si tu fais une bêtise, tu nous auras sur le dos toute ta vie. Pose cette arme et lâche-la. Tout de suite. Je te garantis que si tu fais un geste, tu vas le regretter. Alors pose tout de suite cette arme. C'est ça, allez. Papa va être content d'avoir un grand drapeau quand il rentrera. Trésor, ce soir, ton père ne rentrera pas. Faudra bien qu'il rentre. Je veux que ce soit moi qui lui donne et personne d'autre. Non, tu veux pas descendre. On va dans ton duplex et on va faire la fête. J'ai pas de duplex. J'ai un appartement. Comment ça, t'as pas de duplex? Mais t'habites où, alors? Au 3802 Ardmore Street. Tu as dit Ardmore? Quoi, t'as déménagé? J'ai même changé les rideaux. Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Dante. Arius? It seems I have to finish him off myself. Finally, he's back.
power transfers to me. And now, the only thing left is to devour you. Zèbre, girafe, perroquet, grenouille, tigre, singe des neiges, phoque, poisson clown, kangourou. Kiedy to będzie gotowe? Trzeba zrobić jeszcze parę testów. Ta operacja rozgrywa się już od 7 dni. Co wy dotąd robiliście? Gdybyście wiedzieli, jak syntetyzować binarny środek paraliżujący, tysiące ludzi dostałoby śmiertelnego ataku. No dobrze, pójdę do domu i podleję kwiat.